J'aborde aujourd'hui un sujet essentiel, la paye. Qui n'est pas sensible à cette notion, mais je vais prendre le cas très particulier de la paye de lait. Cette paye ressemble terriblement à celle d'un salarié, car elle arrive tous les mois, à la même date. Pourtant, le producteur de lait qui reçoit sa paye, c'est pourtant la contrepartie d'une fourniture. On est donc dans une situation complètement renversée, puisque le fournisseur, l'éleveur, vend à un transformateur le lait qu'il devrait facturer. Eh bien, ce n'est pas ça, c'est le client qui établit ce qu'il doit à son fournisseur. Pour bien comprendre tout cela, un petit retour en arrière s'impose, car on peut mieux comprendre la situation d'aujourd'hui si l'on a fait l'histoire de cette fameuse paye. Je vais le faire pour partie avec Guy Barrier, qui, très jeune, entre dans le syndicalisme agricole jeune, puis aîné, dans le département des Vosges. Mais c'est toujours plus ou moins la même chose ailleurs, où des paysans responsables s'engagent pour le compte des producteurs dans la défense du prix du lait, des conditions de réalisation des analyses, du paiement à la qualité, etc. Il a donc depuis les années 68 jusqu'à la fin des années 80 porté les revendications des producteurs de lait avec ses collègues et notamment Michel Voirin, avec lequel il formait un tandem de négociations redouté tant au niveau de la section laitière de la FDSEA que des interprofessions départementales et régionales. Vous verrez qu'il intervient de façon modeste et pourtant il a porté une bonne partie de la défense laitière au bénéfice de la collectivité des éleveurs. Eh bien bonjour, c'est Charles de Point de Vue de Campagne, la chaîne qui essaie de mettre en perspective l'agriculture d'aujourd'hui en rapport avec ce qu'elle était hier et même dans ce numéro d'avant-hier, et de mieux mesurer cette formidable évolution. Le contexte à la sortie de la guerre. Il faut tout d'abord se remettre dans le contexte de la fin de la guerre en 1945. On ne parle que de disette et de destruction, ce qui renvoie vers l'actualité et qui peut nous donner une petite idée de ce qu'était la France à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait reconstruire, reconstituer les cheptels, et produire à tout prix afin que la population vive et voie la fin du rationnement. Cette situation était d'autant plus cruciale dans tout le Grand Est qui avait subi de plein fouet les effets de cette guerre. Dans un département d'élevage comme celui des Vosges, où l'exploitation agricole repose sur le système de polyculture-élevage, le lait et le prix du lait étaient extrêmement importants dans le fonctionnement d'une exploitation. Lors d'un grand rassemblement à Nancy, au mois d'octobre 1946, la CGA, c'est-à-dire la Confédération Générale de l'Agriculture, qui est en réalité l'ancêtre de la FNSEA, insiste sur le bien fondé des revendications paysannes et rappelle qu'elle peine à convaincre l'opinion publique car, en effet, en cette période, les paysans de France sont accusés d'affamer les Français. Elle devra même nouer des contacts avec la CGT et de se justifier ensuite en déclarant n'être à la remorque d'aucune organisation. Le prix du lait de détail était à cette époque réglementé par un arrêté préfectoral qui définissait le prix du lait à la production et le prix du lait au consommateur. La valeur de référence à cette époque était pour un lait de à 34 grammes de matière grasse, donc voilà la référence, lorsque les analyses étaient faites, bien entendu, et si le laitier rétrocédait du sérum, il le faisait dans la proportion de 1 litre de sérum pour 2 litres de lait, et il le revendait à 60 centimes pour un prix d'achat du lait à 11 centimes, ce qui représente à peu près 5%. Étant donné l'éparpillement des fermes, le producteur était aussi indemnisé par une prime de portage qui allait de 6 à 18 centimes selon la distance. Et même dans notre département, il y avait une majoration de 10 centimes pour les laits collectés dans les zones de Munster. Donc le prix de détail variait selon la taille de la commune, les plus de 1000 habitants ou en zone rurale. Il y avait même un tarif pour les laits vendus en dehors de la carte de rationnement. On est donc dans les années 46-47. Après le trop peu, le trop plein. Les paysans, ce sont des bons petits soldats. De retour à la maison, ils se sont retroussés les manches, ils ont utilisé les ressources familiales pour produire. Ils répondaient en cela au mot d'ordre diffusé par les responsables politiques comme par les responsables agricoles. Dès 1947, les producteurs et transformateurs mettaient au point un protocole dans lequel ils définissaient plusieurs points. Le premier, c'était l'idée d'une prime de propreté et de fidélité. Ensuite, une prime d'hiver.
Enfin, un paiement du lait à la qualité et surtout le financement paritaire d'un laboratoire. Si on va en 1952, la Confédération Générale Laitière pose formellement la base à toute discussion, le principe du coût de production. Elle dit, elle rejette le libéralisme intégral qui fait peser sur les producteurs le poids de la spéculation et ne leur laisse que le reste, sans aucune garantie de sécurité. Et même d'ajouter, elle condamne le dirigisme de l'État qui met les producteurs à la merci de solutions arbitraires prises en fonction de la politique du jour. On est sous la 4ème République. C'est ainsi qu'elle revendique à gérer l'économie laitière et dans ce même congrès, elle parlera aussi de textes sur la protection des appellations d'origine et même sur la définition technique des produits de grande consommation. Elle y ajoute également la nécessité d'une propagande pour la promotion des produits laitiers et même de travaux préparatoires à la constitution d'une communauté européenne de l'agriculture. Pour rappel, nous sommes en 1952, c'est-à-dire 7 ans après la fin de la guerre. La production est repartie de plus belle et face aux excédents, on organise les premiers stockages de beurre en 1954. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la référence des prix de ce sera celui du marché des Halles centrales de Paris. On est bien loin de tout ça. Après des années, une bataille autour de la relation coût de production, prix d'achat du lait. Le travail syndical va déboucher sur la loi Laborde qui sera publiée le 18 mai 1957. Que disait cette loi? Il est utilisé, en plus de la référence des prix de campagne de 50-55, qui avaient été considérés comme des années correctes, sur lequel il va s'appliquer un coefficient moyen de majoration ou de minoration sur la base de trois indices calculés par l'Institut de la Statistique, 50% sur l'indice de l'ensemble des produits industriels nécessaires à l'agriculture, 40% sur l'indice des prix de détail à Paris des produits manufacturés et des services, et enfin 10% sur l'indice des taux de salaire horaire, toute activité. Je vous passe les détails sur les conditions de mise en œuvre, mais il était inscrit dans la loi le principe d'un prix à la production indexé sur les coûts de production. Cette belle loi sera ruinée avec l'arrivée du général de Gaulle qui, s'il avait rassuré le 7 juillet 58 les principaux responsables des organisations agricoles en présence d'Antoine Pinay, ministre des Finances et du ministre de l'Agriculture, que le gouvernement ne voulait pas apporter de changement à la politique agricole orientée vers la réduction des productions excédentaires, l'augmentation des productions déficitaires et qu'il était déterminé à respecter la loi des prix d'objectif avec le système d'indexation. Et pourtant, en février 59, en congrès, Albert Janin, le secrétaire général de la FNSEA, déclare « On a supprimé les indexations agricoles, certaines indexations intéressant les salariés d'entreprises nationalisées. Le gouvernement s'est bien gardé de toucher aux indexations des capitaux, l'emprunt Pinay et autres, dont d'ailleurs le nouvel emprunt que le gouvernement vient de lancer pour l'électricité de France, dont le capital est indexé. Dans le plan de redressement économique et financier de la France, voulu par le général de Gaulle, la profession estime que la répartition des charges entre les différentes catégories professionnelles n'est pas équitable. De manière générale, une part trop lourde pèse sur les Français dont la condition matérielle et sociale est la plus modeste, avec un effort manifestement excessif qui pèse sur l'agriculture. En mars 1959, Lucien Bizet, qui était à cette époque président de la FNPL et qui deviendra président de la PCA, estime que les entreprises privées n'avaient pas aidé à sauvegarder la loi Laborde. Il y a surtout des gens qui ont été agissants et actifs pour démontrer et faire admettre que la loi Laborde était nocive pour l'économie du pays. Et parmi ces gens-là, il y a l'industrie laitière française. Le débat autour de l'indexation des produits agricoles, le redressement économique et financier de la France, la gestion des excédents de beurre, de poudre et même de viande vont être absorbés dans le cadre de l'instauration de la politique agricole commune impliquant 6 pays. Au cours de cette période, d'importants progrès de productivité seront réalisés puisque la production aura doublé entre 1950 et 1968. En janvier 1962, il est élaboré un accord qui définit l'organisation commune des marchés et la création d'un fonds
européen d'orientation et de garantie agricole, le FEOGA. Et puis ça va être la douche froide, le commissaire européen à l'agriculture de 1958 à 1962, le hollandais Sycom Hanscholdt, va définir ce qu'est l'agriculture de demain, pas d'étable à moins de 40 vaches. Bref, un nouvel étage vient d'être créé dans la définition du prix d'achat du lait. C'est un nouvel univers, les négociations continuent, les marathons agricoles commencent. Mais je vous laisse là avec Guy Barrier qui va évoquer comment il a vécu cette période sur l'exploitation familiale. Bon, sorti de la guerre, on était en compagnie de vache, bref. On arrivait à 50 ans de vache après la reconstruction de la ferme familiale, si on veut, de ma maman. Et dans les 50, bon, il y avait peut-être, mon père était déjà un peu progressif, il avait fait une stalle courte. Il avait à peu près 12 vaches, et puis une place pour 8 genisses, et 2 chevaux. Et puis l'époque là, le lait, c'était des petits laitiers qui ramassaient le lait, le moyen boutier. Ils venaient avec leur fourgon Citroën, très tôt le matin, 6h30, il y en avait 2 d'ailleurs. 6h30, et à 7h15, ils étaient rentrés chez eux avec les bidons de lait de leurs 6-7 producteurs. Et là, sur leur trottoir ou dans leur petit magasin, ils vendaient au pot de camp, aux salariés de l'usine, aux habitants de Moyen-Boutien. C'était leur seul revenu. Et s'ils avaient trop de lait l'été, ils faisaient du beurre, qu'ils vendaient, bien sûr, à leurs clients aussi. Et puis l'après-midi, ils avaient fini leur journée, je pense. Donc là, ils prenaient le lait du soir et juste non, ils ramassaient le lait très tôt le matin. Ouais. Donc il y avait le lait du soir. Il y avait le lait du soir. Alors bon... À l'époque, en 60, on avait 50 litres par jour. Maximum, mettons, ça faisait peut-être la production de ces 8 vaches. Les vaches qui donnaient peut-être 3000 litres, je ne sais pas. On ne comptait pas. Ensuite, donc, le lait du soir, bon, il était dans un ou deux bidons. On triait à la main. Hein, c'était à l'écurie, on mettait le colleux sur le bidon. Et puis le lait était censé être propre. Il y avait quand même des mesures d'hygiène déjà. Et puis le matin, à 6h30, les laitiers passaient, ils prenaient nos 2, 3, 4 bidons dans le village, ou un peu le village d'à côté, ils rentraient chez eux. Le lendemain, ils ramenaient les bidons propres. Sauf que quand ils avaient trop de lait, ils faisaient du beurre. Ils mettaient le lait écrémé, le batteux, comme on disait, dans les bidons, pour nos porcs. Alors, on ne le payait pas, mais ça les évitait de laver le bidon. Ils en mettaient un peu dans chaque bidon. Bon, on était content d'avoir ça pour les pochons. Pour le prix du lait, on la discute, je sais pas, on prenait le prix qu'on nous donnait à l'époque. Bon, je me souviens quand même, quand j'étais au CDGA, bon, on commence à discuter des prix du lait, puis avec les villes, les agriculteurs des villages, j'ai dit, on va aller en moitié, hein, demander un peu plus. Bon, t'as quoi, on est bien content qu'ils viennent. Bon, on y est allé, 6 ou 7, mon père m'a encouragé aussi, parce qu'il était déjà défensif. Mais les 5-6 qui m'accompagnaient, ils étaient plutôt pas rassurés. Hein. Bon, c'était comme ça, et puis il n'y avait pas de revendication. Le laitier faisait un peu partie de la famille. On est arrivé à Urbach à 50, j'avais 12 ans. Bon, après, en 60, je suis parti à l'armée en 58. En rentrant de l'armée, bon, j'ai participé à des organisations agricoles, le CETA et puis le CDGA, comme ça, quoi. Et puis. Dans les années 65, 67, bon, les parents étaient toujours sur la ferme. Parce que donc toi, tu es le, vous êtes combien d'enfants? Je suis le sixième. D'une famille. Sixième d'une famille de 10. Oui, 10. 7 garçons et 3 filles. Bon, on a vécu des familles nombreuses. Bon, on se débrouillait comme tout le monde à l'époque. Et puis après la guerre, comme tout le monde, hein, on ne courait pas sur l'or. Mais mon père, en plus, a voulu nous donner une formation et nous a toujours mis inscrits dans les écoliers bassindiens. Ça coûtait une fortune, mais on en a profité ultérieurement. Donc, moi, je n'ai repris la ferme de mon père qu'à 71 ans. Il fallait attendre qu'il ait 65 ans. À l'époque-là, les fermes, les anciens partaient parce que l'État avait créé l'IVD, l'indemnité viagère de départ. C'était une somme forfaitaire qui comblait la petite retraite de l'époque. Alors tous ceux qui étaient là de mon père ou un peu plus,
Ben, moi, j'allais dans le village ou d'autres, on faisait les dossiers avec le responsable de la DASER à l'époque, je crois. Et ça libérait des terres. Mais on commençait en 56-58, on a acheté les premiers tracteurs. Les premières batteuses sont déjà arrivées au village en 58. Le concessionnaire Massé, qui était visionnaire, avait acheté la première très tôt, première petite Massé, et l'a fait l'entreprise dans trois cantons. Bon, c'est sûr, il a fait son... Il a vendu des machines, et puis ça a commencé à se développer, les tracteurs, il fallait de la surface. Alors, moi, en dehors de la surface que j'avais ici avec mes parents, on était sur Saint-Priel, où il y avait des terres qui restaient parce que les gens les usines. On était avant l'étape, mais trois bêtes, fauchées, avec des petites presses moyenne densité, ou très basse densité même. On allait créer un parc avec la VEM, avec trois copains de Robache, et puis d'autres, là-haut, sur les chaumes du col du plafond. On a défriché 80 hectares de la commune en plusieurs années. Pour gagner de la surface. Oui, il fallait qu'on mette nos bêtes. Avec un collègue, on était à Saint-Prix, à Marzelay aussi. Dans les environs des villes, les gens délaissaient la culture. Alors nous, on récupérait par connaissance, là-bas il y a 5 hectares, on allait faucher, on amenait des bêtes, s'il y avait des parcs. Puis bon, alors moi à l'époque, Moyen-Moutier, Raon, Marzelay, et puis un petit peu la Voive, et puis à nous pour les bêtes. Il fallait faire ça pour trouver la surface. Mais ici, c'était quand même une région assez essentiellement herbagère. Tu as parlé de céréales, mais il y en avait peu. Oui, on faisait du seigle. Bon, là seulement, à l'époque, c'était avoine, pommes de terre, seigle. À Urbache, on avait certaines terres qui se prêtaient très bien, ou on appelait ça le froment, le blé. Donc on avait quand même des terres à blé. Le côté silure. Bon, le blé, c'était pour les poules, et puis on en vendait quelques quintaux à droite à gauche. Et puis surtout, bon, ce qu'on faisait beaucoup, c'était 1,5 hectare de pommes de terre. Oui, mois de février 60, là, oui, bon, moi, c'était l'époque où j'étais à l'armée, mais enfin, à la ferme, il y avait mes parents qui étaient encore aptes, et bien sûr. Et puis ma sœur, une sœur qui avait un an de plus, qui était encore sur la ferme, un certain temps, quoi. Et puis un frère qui a resté un an ou deux le temps que j'étais à l'armée, le temps qu'il trouve une place en sortant de son brevet. Quoi. Parce que là, avec 60 litres de lait, on réussissait à nourrir une famille uniquement avec le lait ou avec d'autres productions? C'était difficile parce que, en plus, la grosse maison au village que tu connais, c'était la ferme qui était reconstruite après la guerre, qui était beaucoup en grosse. Nous étions 10 enfants, mon père l'a fait grande, il fallait... Tout en plus qu'il y avait encore la grand-mère, qui était veuve de guerre. Et tout ça, les dommages de guerre étaient épuisés quand on arrivait au toit. Mon père a travaillé des soirs complets à la truelle, au marteau, et il a appris à travailler énormément. Pendant qu'un peu, les frères donnaient un coup de main, quoi. Donc on est rentré dans la maison, dans les gravats, hein. Par contre, les vaches étaient prêtes. Les vaches, la fosse affaiblie était prête, il y avait déjà les dormes. Mais à l'époque, c'était... Il fallait placer le bétail, c'est vrai. Ben, c'était le revenu. Oui, il fallait faire... Et puis, mon père a fait une seule course, ça n'existait pas. Il avait été voir ça chez Marin, je crois, qu'il y en avait déjà. Et puis après, on avait des centaines de gens qui sont venus voir la salle de course. C'était un progrès sur eux, quoi. Surtout quand il n'y a pas de paille. Oui, on n'avait pas de paille, on faisait quoi? 1,5 hectare de seigle, 1 hectare de froment, petit un peu d'avoine, enfin. Et puis tout ça, javel, hein, à la main. Bon, c'était pas une corvée, on était beaucoup dans la famille. Le temps que mon frère fasse les javels, on avait tous ramassé. Bon, c'était l'exploitation familiale de l'époque. Hein. Et donc, la production laitière avec toi va augmenter? Oui, c'est-à-dire que quand mon père arrêtait, on avait peut-être 12 vaches. C'était en 71, moi j'avais 31 ans. Donc, j'ai commencé à développer, à moderniser sérieusement. Mon père m'a cédé la ferme avec un contrat, avec mes frères et sœurs. Et j'avais quand même beaucoup sorti aussi avec les GVA. Et on avait vu les silos du côté de Réopal, du côté de Champs-Luc, il y avait des CETA qui avaient déjà très bien développé la formule. Donc moi j'ai
derrière la ferme, fait un hangar de 700-800 mètres carrés à l'époque, avec deux silos libres au service et faux salisier. J'arrivais à faire 20 logettes, une mini salle de traite, un tandem qu'on faisait nous-mêmes. C'était un progrès, hein. C'était presque la première salle de traite qu'on trouvait. Enfin, c'était une mini salle de traite. Un quai, les pots intérieurs, et puis on montait ça dans le tank au-dessus. Et puis, bon, ça tournait comme ça. Ça me permettait aussi d'avoir moins de travail, surtout j'étais souvent absent. Bon, j'étais célibataire encore à l'époque, mes parents m'ont beaucoup aidé. Hein. Et je travaillais beaucoup avec un collègue du village, Claude Tissin. On avait un peu les mêmes objectifs. Il était plus jeune, on a fait beaucoup de travail ensemble, toutes les finaisons, tous les ensilages. Et pendant des années, on avait une seule faucheuse, une seule pirouette. On était à 3 km l'un de l'autre, autochargeuse ou presse après. Bon, ça m'a permis de décoller parce qu'on travaillait avec des moyens limités ensemble. Vous l'avez compris, la négociation du prix d'achat du lait est essentielle dans toutes les régions d'élevage, mais la façon dont elle se concrétise aura bien évolué au fil du temps. Dans le prochain épisode, nous allons reprendre le débat à partir des années 1968-69 où la profession rajeunie va hausser le ton et obtenir des progrès, des victoires à son engagement. Et puis je vous le redis, si vous avez aimé, un petit pouce, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin que l'on puisse continuer à parler d'agriculture aujourd'hui dans le prolongement de celle d'hier. Merci, au revoir.